Bienvenue, mesdames, messieurs, chez LCL pour ce maillot jaune des entrepreneurs LCL. On est très heureux de vous retrouver ici même avec deux protagonistes pour cette deuxième étape. En l'occurrence, Jean, je prononce bien votre nom, vous me dites si je me trompe. Lissarag, est-ce que c'est bien ça? Je l'ai bien dit, super. Vous avez un micro si vous avez envie d'intervenir quand vous le voulez. C'est pas idiot. Associé Sogeca et à côté, monsieur Eric Fertig, qui est directeur régional Interfimo LCL. Comme ça, j'ai présenté tout le monde. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, mais juste après un petit film qui vous propose de découvrir ou redécouvrir, surtout pour vous, l'entreprise qui est la vôtre. Regardez, c'est tout de suite. Et Laurent Lavich qui passe le premier, la ligne d'arrivée. Cabinet d'expertise comptable Sogeca est leader sur son marché en termes de proximité, de services et d'innovation. Je pense que c'est pour cela qu'on nous a attribué ce maillot jaune. Sogeca est un cabinet d'expertise comptable et de conseil dont le siège social est à Bayonne. Nous avons 14 sites, 260 collaborateurs et 17 associés et nous servons 5400 clients quotidiennement. Nous avons pu changer de braquet par deux actions. La première action, une opération de croissance externe avec notre bureau de Bordeaux et Paris, ce qui nous a permis de nous donner une connotation nationale au niveau de notre présence géographique. La deuxième action est la création de notre portail digital Sogeca Connect. C'est la réponse de Sogeca par rapport à toutes les demandes digitales que peuvent avoir nos clients dans leur nouveau mode de fonctionnement et de relation avec leur cabinet comptable. Par rapport au maillot jaune, il y a une notion d'esprit d'équipe. Un maillot jaune ne gagne pas seul, il a une équipe avec lui, mais c'est notre cas chez Sogeca, puisque nous avons la chance d'être accompagnés de nos collaborateurs qui nous aident pour servir au mieux nos clients. La première à court terme est la consolidation de notre offre digitale Sogeca Connect, et la seconde étape est la consolidation de notre politique RSE. Tous nos collaborateurs, nos clients, nos parties prenantes sont en attente de notre vision RSE, et c'est ce que nous allons proposer d'ici la fin de l'année. Alors qu'est-ce que je vais faire de ce maillot jaune? Je vais le prendre et je vais le donner à mon associé Jean Lissarag, qui est un féru de vélo, qui se fera une joie de grimper le Tourmalet avec. Si vous deviez parler de votre entreprise à quelqu'un qui ne la connaît pas, en une phrase, je sais que c'est finalement peut-être compliqué, mais vous en diriez quoi? On est un cabinet d'expertise comptable qui est leader sur le Sud-Aquitaine et au Pays Basque, une entreprise locale qui a été créée récemment. Vous parlez, moi j'ai lu vos textes, de points forts, vous parlez de proximité, de services et d'innovation. C'est un peu... Enfin, je veux dire que c'est quand même... Il faut suivre quand on dit tout ça. En quoi ces éléments-là font partie de l'ADN de votre entreprise? Notre entreprise a été basée à Bayonne et on s'est élargi depuis Bayonne. On est toujours resté dans ce cercle en arrivant aujourd'hui jusqu'à Paris, Annecy, Bordeaux. Et on a des clients qu'on connaît bien depuis très longtemps. Et nos collaborateurs viennent aussi du territoire et on est proche de tout le monde. On va parler de la collaboration que vous avez avec LCL, mais au-delà de ça, quand vous parlez, on le voit dans le clip d'ailleurs, vous parlez de Bordeaux et de Paris comme des étapes. C'est important de sortir de... Alors j'ai presque failli dire zone de confort, non, mais de sa région d'origine. C'est important parce que chaque fois qu'on a fait ces opérations-là, c'est parce qu'on a rencontré des gens qui nous intéressaient, qui nous ont demandé de les accompagner. Et pour accompagner aussi nos clients vers ces départements-là, ça n'a pas été une volonté de s'accroître sur ces territoires, mais d'accompagner des personnes dans un développement. On s'est développé avec nos clients. Dans vos spécificités, vous parlez du portail digital Sogeca avec beaucoup de fierté. Qu'est-ce que c'est et en quoi c'est une plus-value? C'est une plus-value parce que c'est un projet. Aujourd'hui, le portail existe, mais on est en train de le développer très fortement. Il sera développé au mois de septembre. Et aujourd'hui, notre métier, comme beaucoup de métiers, va évoluer très fortement. Et c'est une étape indispensable pour le métier de demain, de l'expertise comptable. Le digital sera obligatoire. Alors, un dernier mot, vous parlez de RSE, c'est un mot à la mode, ça fait bien, mais en quoi votre métier est impacté par le RSE? Ce matin, je regardais la télévision espagnole qui expliquait qu'aujourd'hui, on a une seule comptabilité qui est une comptabilité financière qui est basée sur des éléments économiques et qu'aujourd'hui, alors je vous rassure, on n'est pas encore tout à fait prêt, mais il faudra une comptabilité aussi sociale et environnementale qui est en train de se développer, qui est demandée par le politique, ouais. Par nos clients, pas encore forcément, mais ils n'auront pas le choix. Demain, la comptabilité, on aura trois comptabilités et il faudra être prêt.
Bon, bah demain, même dès cet après-midi. Cet après-midi, je ferai autre chose que de la comptabilité. On va parler de vélo un peu, puisqu'on sait que vous êtes passionné. Monsieur Ferti, à côté, l'intervenant qui est à côté de nous évoquait le fait de l'évolution régionale, puis après, au-delà, jusqu'à Paris, et accompagner ses clients. C'est aussi important pour vous, en tant que représentant LCL, d'accompagner le client qui est aussi le vôtre. Oui, c'est vraiment un plaisir d'accompagner ce métier parce que c'est le cœur du réacteur au niveau économique. L'expert comptable, c'est le relais de toutes les entreprises au niveau régional et au niveau national. On le voit vu leur développement. Et pour nous, au sein de LCL et Interfimo, on a à cœur de toujours être présent à leur côté, que ce soit dans les moments de facilité ou les moments de difficulté, parce que ça arrive aussi quelquefois. Et on est très heureux d'accompagner Sogeca dans son développement. Monsieur Lissarag, on va parler un peu de vélo quand même, parce que dans le clip, on voit que vous êtes un peu passionné par le vélo et le Tour de France doit vous émouvoir beaucoup. Ce maillot-là, vous le voyez probablement à l'image, est marqué du sceau de votre entreprise. Il va donc vous être remis. La question qui se pose, c'est où va-t-il être placé, dans votre bureau, chez vous, où allez-vous le mettre? Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais le porter pour faire le tour, vu que mes associés, on est 15 associés, ils ont eu le bon goût de me l'affecter. Donc j'ai dit que j'allais tous voir les 12 bureaux de Sogeca avec le maillot et mon vélo pour aller prendre un café chez eux et le porter. Et ensuite, je vais le mettre dans mon bureau derrière moi, histoire qu'au visio, on voit que j'ai eu le maillot jaune une fois dans ma vie. Eh bien voilà, mais en tous les cas, c'est le vôtre. Bravo, merci beaucoup effectivement à LCL pour ce maillot jaune des entrepreneurs. C'est le vôtre. Merci en tous les cas d'avoir pris quelques instants pour cette deuxième étape du Tour de France. Tous les jours, on vit tout ça et on aura le plaisir de retrouver demain, bien évidemment, un autre intervenant. Merci messieurs et bonne étape. Merci à vous.